Salut tout le monde, c'est Lou, je suis très content de vous retrouver pour un nouvel unboxing Playmobil parce qu'aujourd'hui je vais vous présenter un thème que j'aime beaucoup, c'est la maison moderne. Il s'agit de sa quatrième déclinaison, sortie en 2017 dans la gamme City Life bien évidemment. Et je vous propose sans plus attendre de faire le détail des boîtes avec ma maman. On commence avec le set 9270, la chambre d'enfant très rose avec une petite fille et plein de jouets vendus au prix de 12,90€. Vient ensuite la très belle salle de bain avec douche à l'italienne, le set 9268 que l'on trouve à 16,90€. Reposons-nous un petit peu dans le canapé confortable du salon équipé, référence 9267 qui coûte 12,90€. Ma pièce préférée, vous le savez déjà, c'est bien sûr la cuisine avec tout son électroménager, ses ustensiles et toutes les petites pièces de nourriture. Ce set 9269 est vendu à 18,90€. Les parents aussi ont le droit de dormir, voici justement leur chambre dans la boîte 9271 au prix de 14,90€. On peut profiter du soleil dans le jardin et organiser un bon barbecue grâce à la référence 9272 vendue à 24,90€. Et enfin, la star de la gamme, c'est bien sûr la boîte 9266, la nouvelle maison moderne, blanc et jaune poussin, qui coûte 79,90€, ce qui nous fait un total d'environ 180€ pour les 7 boîtes du thème. Merci maman démonstratrice, mais avant la construction, on va penser aux extensions. Alors je me suis un petit peu lâché du côté des extensions. Il y a la chambre d'enfant bleu 6556, la buanderie 6557, et la cabane à outils avec un potager, c'est la référence 6558. Pour caser tout ça, il y a l'étage supplémentaire 6554 pour la maison. J'ai aussi pris les équipements pour bébé 6226 pour faire une chambre de bébé, ainsi que le bureau 6457. Et vous l'avez remarqué, il y a une boîte exclusive, le set 9368, le garage que l'on ne trouve que chez quelques revendeurs. Et pour qu'il ne soit pas vide, j'ai également pris la voiture familiale rouge 6507. Voilà, ça nous fait pas mal d'affaires tout ça, alors on passe tout de suite au montage. C'est parti! Alors déjà, pourquoi autant d'extensions? Il faut savoir qu'on est passé du thème de la maison moderne de 2014 qui compte 11 sets, à cette nouvelle gamme de 2017 où on trouve seulement 7 boîtes. Alors oui, 7 boîtes c'est déjà beaucoup, mais c'était l'occasion d'avoir une maison bien plus grande et bien remplie avec les extensions. Contrairement aux 3 premières maisons modernes, cette quatrième version n'est plus en System X mais en monobloc. L'assemblage se fait donc par encastrement, et je dois avouer que j'ai eu un peu de mal à enfoncer correctement certaines parties, notamment la petite entrée. Il fallait vraiment forcer pour encastrer les pièces, ce qui n'est jamais très rassurant parce qu'on a peur de casser un élément ou même de se blesser en glissant. Bref, je regrette un peu le System X. Bon, je noircis un peu le trait, mais la construction s'est quand même déroulée sans heurts, et l'avantage du monobloc, c'est que c'est quand même plus rapide. La preuve, j'en suis déjà à l'étage. L'autre avantage, c'est que c'est moins cher, cette maison est plutôt spacieuse, avec à l'intérieur 4 espaces différents et à l'extérieur une terrasse, ainsi qu'un balcon, et elle est proposée à un prix inférieur aux constructions précédentes. Ce qui est en partie expliqué par le fait que les murs et les plaques de base sont plus fins, et nécessitent donc moins de plastique. Cette maison en tout cas a un style bien plus classique que la précédente, la villa de luxe très contemporaine. Mais ça n'empêche pas que je la trouve très réussie, grâce notamment à de jolies couleurs dont ce jaune vanille qui rappelle la maison traditionnelle 5202. Et voilà justement à quoi elle ressemble quand elle est terminée. Relativement classique mais très stylée, grâce à ses différents volumes, ses grandes fenêtres ou son toit sur deux niveaux avec de grandes verrières qui lui donnent justement ce côté très moderne. Le balcon est un peu petit mais il y a tout de même une belle terrasse. Passons maintenant à l'intérieur de la maison, on remarque tout de suite qu'elle est très spacieuse et sa disposition originale en L lui permet de ne pas trop ressembler à une maison de poupée classique, contrairement aux maisons traditionnelles de Playmobil, mais aussi d'optimiser la surface de jeu. On a donc 4 espaces pour autant de porte-fenêtres. À noter qu'il n'y a aucune modularité, monobloc oblige, mais on peut bien sûr ajouter un étage, et c'est d'ailleurs ce qu'on va faire. C'est donc reparti pour la construction. Dans le manuel, l'étage supplémentaire vient s'intégrer entre le rez-de-chaussée et le premier, mais il est en fait quasiment identique au premier si ce n'est une seule cloison un peu plus grande. Bien sûr, comme pour la plupart des bâtiments avec niveau supplémentaire de Playmobil, on peut en rajouter autant que l'on veut et faire une super grande maison. Attention en démontant quand même, le monobloc me semble un peu fragile durant cette opération. Allez, encore un petit escalier et voilà, on a une maison moderne sur 3 niveaux maintenant.
Alors, c'est vrai qu'avec toutes ces portes-fenêtres, on dirait presque un immeuble avec des appartements. Le bâtiment reste très harmonieux et surtout, ça fait encore plus de place pour jouer. On ajoute ainsi deux espaces et l'on va pouvoir comme cela accueillir toutes les pièces supplémentaires que l'on a prises et profiter d'une surface de jeu encore plus grande pour imaginer plein d'histoires. Mais pas si vite, il nous reste le mobilier à assembler. On commence avec la cuisine contemporaine dont tous les éléments se retrouvent pour la première fois dans un même bloc façon cuisine tout équipée. On a donc le four, le lave-vaisselle, le frigo, l'évier, les poubelles et un grand espace de rangement dans ce gros bloc, puis un petit meuble où ranger la nourriture dans des paniers tiroirs bien conçus, ainsi qu'un îlot central où se trouvent les plaques de cuisson et un coin repas. Le set est évidemment fourni avec plein d'éléments de nourriture, du pain, de la salade, des pommes, du saucisson et plein de boissons. Mais on trouve aussi du petit électroménager, un grille-pain, une nouvelle machine à café et un mixeur. Rien de très novateur, mais la boîte reste assez jolie et me plaît beaucoup. On passe maintenant au salon. Alors c'est une spécificité de cette nouvelle maison moderne, quasiment toutes les boîtes ont une lampe et ici elle se trouve à côté du canapé arrondi. Évidemment, pour les faire fonctionner, il faut des piles qui ne sont pas fournies dans les sets. On trouve dans notre salon un grand téléviseur avec son home cinéma, une voiture télécommandée et même un saxophone, pourquoi pas. Direction la salle de bain si vous le voulez bien. Alors même s'il n'y a pas de baignoire pour une fois, il s'agit là d'une des boîtes de salle de bain Playmobil les plus complètes, pour ne pas dire la plus complète. On a ici une très belle double vasque, ce qui va faire plaisir à Stéphane Plaza, ainsi qu'une grande douche à l'italienne plutôt élégante. Il y a plein de rangements, ça c'est très bien et c'est tant mieux parce qu'il y a beaucoup de produits de beauté et d'accessoires, et même un vélo d'appartement pour faire du sport. Dans la chambre parentale maintenant, on retrouve le bon vieux lit de la toute première chambre de la maison moderne sortie en l'an 2000, qu'on a aussi vu d'ailleurs dans le grand hôtel 5265. Un des points forts de cette boîte, c'est sa belle armoire où l'on peut ranger les robes de la jeune femme. Autre chambre cette fois-ci pour la petite fille, encore une fois, comme pour la chambre d'enfant de la villa, il y a ici qu'un seul cliquis. La boîte est quand même bien mieux garnie avec en plus d'un joli lit mezzanine, plein de jouets, une petite chaîne stéréo et un petit bureau avec un ordinateur portable, sans oublier le cartable et des crayons pour faire les devoirs. On finit notre tour des boîtes de la gamme avec le jardin où se prépare un beau barbecue. C'est un set assez original pour le coup et lui aussi, comme le salon, la salle de bain et la chambre parentale, il a ses petites lumières à allumer. Non seulement on peut illuminer la guirlande de lampions, mais on peut aussi faire rougeoyer le feu du barbecue. C'est un set plutôt sympa, ambiance fête des voisins avec des tables dressées remplies de burgers, de hot dogs et de boissons, et à côté des activités pour les enfants comme la petite piscine ou la balançoire. C'est aussi la boîte du thème où l'on trouve le plus de cliquis puisqu'ils sont 5, dont 2 adultes, 2 enfants et un bébé dans sa poussette, c'est donc plutôt généreux. On va maintenant passer à tout ce qui est accessoires complémentaires, et je vais commencer par la cabane à outils et le potager histoire de rester dans le jardin. La cabane à outils est une réutilisation de celle du set 4482 du thème de la jardinerie. Le potager, lui, nous vient de la boîte 4281, la très très belle véranda de la deuxième maison moderne. Et c'est mignon parce qu'il y a plein de plantes et de légumes à y faire pousser. Évidemment, on trouve aussi plein d'accessoires comme des pelles, des râteaux, une brouette, une tondeuse ou encore de l'engrais. Bref, de quoi entretenir correctement son jardin. Retour à l'intérieur maintenant, avec un petit bureau qui peut aussi servir de chambre d'amis puisqu'on y trouve un clic-clac. Cela va me permettre d'occuper la dernière pièce du rez-de-chaussée de la maison. Une autre chambre, c'est la chambre d'enfant bleu. Elle est quasiment identique à la chambre 9270, sauf que tout le mobilier est bleu au lieu d'être rose et que les jouets sont un peu plus masculins entre guillemets. Pour le coup, avec ces deux chambres, Playmobil est à fond dans les stéréotypes. Et la dernière chambre, c'est celle du bébé avec un lit et plein d'accessoires, des biberons, une petite bassine, une autre poussette ou encore une chaise haute. Une de mes pièces préférées, et je suis bien triste qu'elle ne soit pas sortie en boîte, c'est la buanderie. Un set complémentaire classique qui reprend ce qu'on trouvait dans les buanderies des deux premières maisons modernes, à savoir la machine à laver, la table à repasser, l'étendoir, l'aspirateur et quelques accessoires. On finit en beauté avec le set exclusif 9368, le beau garage qui a été conçu pour cette maison moderne puisqu'il en reprend les codes couleurs, à savoir le jaune vanille, l'orangé, le blanc et le noir. Alors cette boîte est une nouvelle version du garage qui allait avec la deuxième maison moderne, le set 4318, auquel on a ajouté une autre boîte, l'arrière-cour de cette même maison, le set 4280. Cela permet d'ajouter un peu de verdure à la maison qui en manque un chouïa, et puis ça décore bien le jardin avec une jolie palissade contre laquelle poussent de beaux rosiers grimpants.
On trouve également de quoi parquer deux vélos et ranger quelques outils supplémentaires, mais on a surtout tout ce qu'il faut pour réparer et entretenir une voiture, des clés à molette au bidon d'huile en passant par l'aspirateur. Bon, certes, on se retrouve aussi avec quelques affaires en double par rapport à la cabane à outils, comme par exemple la tondeuse, mais c'est pas très grave, au pire, on peut la prêter aux voisins. Alors évidemment, pour que le garage soit véritablement complet, il faut bien y garer une voiture, et ça tombe bien, parce qu'on trouve parmi les accessoires complémentaires le SUV 6507, repris du modèle 5436 dans la gamme du camping. Et voilà, c'est parfait. Maintenant qu'on a monté tout ça, on va pouvoir passer à l'aménagement. Je commence par la cuisine qui a sa place toute dédiée, avec d'ailleurs un sol carrelé sur la base, puis j'installe la grande chambre parentale tout en haut. Juste en dessous, ce sera la salle de bain car il faut de la place pour tous les accessoires qu'on y trouve, dont la double vasque. Et encore en dessous, près de l'entrée, on trouve notre salon. Au premier, on peut mettre la chambre de la petite fille qui a plein de place pour jouer et j'ajoute les meubles de la buanderie dans un coin de la salle de bain. En faisant tomber le bonhomme au passage, c'est pas très grave, il va survivre. En bas, on trouve donc notre bureau qui peut servir de chambre d'appoint, tandis que tout en haut, on installe la chambre du petit garçon qui lui aussi a plein de jouets et la chance de partager sa pièce avec la chambre de bébé. Et voilà, on a fini avec l'intérieur, on peut donc admirer notre très jolie nouvelle maison moderne sur 3 niveaux. Elle est bien remplie, comme vous le voyez. Et voici ce que ça donne devant avec le très beau jardin aménagé. On dirait qu'il y a une fête dans le quartier, non ? Bon, je vous fais visiter la maison maintenant. On commence bien sûr par l'entrée et c'est devenu une petite habitude des maisons Playmobil, la sonnette fonctionne et on peut même allumer la lumière. On entre et on arrive dans le salon qui n'est pas vraiment très grand si on le compare à celui de la maison précédente, mais ce que je lui reproche le plus, c'est la forme du canapé, parce qu'avec un arrondi comme ça, c'est difficile de lui trouver une bonne place en fait. Et c'est dommage, j'aurais bien voulu un canapé plus droit et plus grand. À côté, c'est la cuisine et vous le voyez, notre gros bloc a pile poil la place pour être contre le mur, c'est bien pensé. Le mobilier s'intègre donc bien et on a même un meuble pour faire une petite séparation avec le salon. Alors si on regarde de plus près l'équipement, déjà on peut voir tous les petits détails de l'intérieur du frigo et du lave-vaisselle, mais aussi du tiroir à poubelle. Et là, je suis en train de retirer les paniers tiroirs où ranger la nourriture. Vous voyez, on a plein de trucs à ranger et on dispose quand même de pas mal de place pour ça. On continue la visite et on arrive dans le bureau où j'ai d'ailleurs rangé le saxophone parce qu'il y a un peu plus de place ici. On a un ordinateur pour travailler et juste en face un autre canapé bleu cette fois-ci dont le modèle nous provient du salon de la première maison moderne. Alors c'est un canapé lit donc on peut le déplier et recevoir des amis. On pourrait d'ailleurs inverser ce bureau avec le salon si on veut, ça peut être une idée. C'est aussi dans cette pièce que l'on trouve l'escalier qui mène aux étages et qui dessert d'ailleurs les deux chambres d'enfants qui se ressemblent comme on le voit bien ici. On commence d'abord par la chambre de la petite fille, simple mais réussie avec plein de petits accessoires. On peut d'ailleurs ranger les jouets aussi bien dans la petite étagère que sous le lit mezzanine, ce qui est quand même bien pratique. À côté, c'est la très grande salle de bain et buanderie et comme vous pouvez le constater, elle n'est pas trop grande pour tout ce qu'elle contient. Déjà, je tiens à dire que je trouve la couleur très réussie. C'est un joli gris qui ajoute une touche d'élégance et qui sied bien au design moderne des éléments. Les deux cliquises dans la boîte peuvent se déshabiller, je vous fais donc la démonstration avec monsieur qui va retirer ses petits chaussons et sa petite serviette, voilà. Maintenant il est en boxer et il peut aller se doucher. Oui parce que les Playmo se douchent en sous-vêtements, c'est comme ça. On profite d'avoir un petit balcon à côté de la salle de bain pour y mettre l'étendoir où on accroche le linge avec les petites pinces trop mignonnes. Ok, on a visité le rez-de-chaussée, on a exploré le premier étage, maintenant on va découvrir le deuxième et dernier étage. On retrouve donc la chambre de notre petit garçon qui est un peu moins bien rangée que celle de sa sœur d'ailleurs. Les éléments sont quasiment identiques comme je l'expliquais, mais lui n'a pas de bureau, c'est pas grave, il peut travailler sur sa petite table. On retrouve dans la même pièce le lit de bébé, alors j'espère qu'il fait ses nuits, sinon il va réveiller son frère. Enfin, la dernière pièce, c'est la chambre parentale dans les tons verts. À noter la présence d'une petite coiffeuse, venue elle aussi de la chambre de la première maison moderne, avec des accessoires de maquillage. Et puis, on a l'habitude maintenant depuis la gamme du grand magasin en 2013, on trouve dans ce set une jeune femme dont on peut changer les vêtements. Et ça tombe bien puisqu'il y en a dans la garde-robe. On va donc lui retirer délicatement ce qu'elle porte en le déclipsant. On va faire de même avec sa belle robe de bal accrochée au cintre, comme ceci, et on n'a plus qu'à lui passer ce beau vêtement. Le système est vraiment très simple, mais il n'est compatible qu'avec certains personnages féminins à la morphologie bien particulière. Notre demoiselle est maintenant prête pour aller danser.
et nous, on peut ranger les vêtements qui traînent en les accrochant à leur tour au cintre, puis on remet le tout dans l'armoire. Et voilà, tout est en ordre, tout est nickel. Elle n'a plus qu'à aller se maquiller. On ferme les portes, et voilà, c'est parfait. On a pu découvrir l'intérieur de la nouvelle maison moderne, je vous propose maintenant de nous rendre dans le jardin. C'est vraiment la fête dans le jardin. Il y a les enfants qui jouent, on fait cuire de délicieux burgers et des hot dogs au barbecue, et on profite bien sûr du beau temps. Ce set apporte un peu de décoration festive et de vie pour l'extérieur de la maison moderne, et c'est vrai que c'est une bonne idée de la part de Playmobil. Comme ça, on peut bien profiter de la terrasse. Pendant ce temps, de l'autre côté de la maison, Jean-Michel Vroom s'apprête à rentrer sa jolie voiture dans son garage mal rangé. Hop, on fait tenir la porte coulissante, et c'est parti mon kiki! En douceur quand même, on va éviter d'abîmer un rétroviseur, hein Jean-Mimi? Et voilà, c'est parfait, une manœuvre sans accroc, on n'a plus qu'à refermer la porte. On peut même voir l'action depuis le toit du garage, puisqu'il y a une grande vitre qui permet d'observer tout ce qui se passe. Allez Jean-Michel, reprends le volant, on va se garer! Bon, y a personne qui conduit, mais c'est pas grave, y a mes doigts qui poussent et c'est suffisant. Hop là, on rentre bien, comme ça, on referme. Et on peut même retirer facilement le toit en verre pour pouvoir déplacer les personnages à l'intérieur si on veut. Voilà. Seul petit défaut du garage, il n'y a rien devant la porte à l'arrière, alors que ça aurait été un peu plus présentable avec une petite marche pour pouvoir sortir. Enfin bref, ça y est, on a fait le tour de cette belle et grande nouvelle maison moderne que je trouve plutôt très réussie dans l'ensemble, avec une architecture et des couleurs séduisantes, pour un prix assez abordable en comparaison des anciennes boîtes. Le mobilier est tout aussi réussi, avec une mention spéciale pour la très belle salle de bain et la cuisine ultra fonctionnelle. Et bonne idée d'avoir ajouté des lumières un peu partout. Mon seul point noir reste le salon, que je trouve un petit peu limité. Voici donc encore une fois une très jolie maison moderne de Playmobil, et j'espère que ce thème vous a plu autant qu'à moi. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires et à me dire quelles sont les pièces que vous préférez par exemple. Et si vous voulez découvrir les autres maisons modernes de Playmobil, je vous invite à consulter mes autres vidéos d'unboxing. Si ça vous a plu, pensez au petit pouce bleu, au partage pour faire découvrir cette superbe gamme, et bien sûr, pour être sûr de ne pas louper les prochaines vidéos, il faut s'abonner. A très vite dans le monde merveilleux des Playmobil. Salut à tous!